Il y a les cinq doigts, les cinq sens, les cinq parties du monde. Oui, les cinq doigts de la fée. Mais tous ensemble, ils composent la main. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. On va me chercher les livres, on va y jeter un coup d'œil. Scott Walker in 2006. Orpheus has returned from the underworld. What happened on his long, long journey? Who is this man? C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu qu'on... les mesures les plus générales de la politique. Les fautes morales s'y confondaient avec les crimes d'État. Il est évidemment là, et évidemment le coloris aussi. On accomplirait l'acte de rédemption. Les peintres en ont tiré, non seulement si l'on pouvait conduire jusqu'à la mort. La forme, le dessin, les sagement des les grands axes, le cadrage, les directions, le mouvement. Sinon que l'apparence de la vie. Comme au cinéma aussi, il faut que tout soit... Il faut que tout parle. Something nice. Sure. What do you want to hear? Lie to me. Tell me all these years you've waited. Tell me. All these years I've waited. Tell me you'd have died if I hadn't come back. I would have died if you hadn't come back. Tell me you still love me like I love you. I... Dites des mensonges. Vous n'êtes pas triste que je parte. Je ne suis pas triste que vous partiez. Je ne suis pas amoureuse de vous. Je ne vous rejoindrai pas au Précile. Je ne vous embrasse pas tendrement. Je ne vous embrasse pas tendrement.
dorsaux. Donc, et les dorsaux, et les dorsaux. Les Américains s'efforcent de ranimer cette combattante pour sans doute l'interroger. Quand tireront-ils ? Des insultes, des chants communistes ou simplement des cris de douleur ? Faites-la partir ! Va dans la cuisine. Mettez-vous sur la chaise. Tournez-vous. Alors, on se promène? Vous n'avez pas peur, toute seule? Vous habitez chez vos parents? Alors, vous habitez chez papa et maman? Papa et maman. Il est presque impossible d'abolir la réciprocité entre les hommes. La violence est une forme. Accadeva nell'inverno del 1944. All'inizio della primavera la guerra era finita. S'il vous plaît. Devenir immortel ne vous intéresse vraiment pas. Immortel? À quoi ça sert? On m'a dit que tout le monde en avait envie. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne meurs pas? La vie va s'arrêter. Je ne suis pas comme vous. Fière et orgueilleuse, Alexandre. Oui. Fière, si je me compare. Et humble, si je me considère. Vous me l'avez déjà dit. Oui, mais je ne savais pas que c'était vous. Je croyais que c'était Simon qui était là. C'est notre première dispute. Et je t'aime. Assigna. Vous vous souvenez de José Bergamin, républicain espagnol? Avec les communistes, j'irai jusqu'à la mort. Avec les communistes, j'irai jusqu'à la mort, mais je ne ferai pas un pas de plus. Messieurs.
Mais une aventure. Encore un rouge. Terminé le rouge. Ça, c'est celui qui a commencé. Ça, c'est la vérité. Et celui-là, il faut pas. Tais-toi, Cassandre. Voyez-vous, Peggy, dit-elle. Il n'y a pas de mort. Rien n'est aussi commode qu'un texte. Il y a seulement un. Et rien n'est aussi commode qu'un mot dans un texte. Qui veut mourir? Nous n'avions que du livre à mettre dans du livre. Que serait-ce quand il faut dans un livre, dans du livre, mettre de la réalité? Et au deuxième degré, quand il faut, dans la réalité, mettre de la réalité. Qu'arrive-t-il toujours, mon ami? Le soir tombe, les vacances finissent. Il me faut une journée pour faire l'histoire d'une seconde. Il me faut une année pour faire l'histoire d'une minute. Il me faut une vie pour faire l'histoire d'une heure. Il me faut une éternité pour faire l'histoire d'un jour. Au revoir, Ludovic. Vous allez à la guerre? Oui, madame Donadieu. À Saint-Pétersbourg, que de maîtres écrivaient les soirées. À la veille de la bataille de la Moscova, il écrivait les fléaux, les malheurs, les souffrances, les tortures sont la punition de la méchanceté de l'homme, corrompu par le péché. Le bourreau est la pierre angulaire de la société, l'exécuteur de l'expiation divine. C'est lui qui nous renvoie à notre juge naturel. Sa mission est sacrée. Le ciel ne peut être apaisé que par le sang. L'innocent peut payer pour le coupable. Everything. It is a lie. She's gone forever. She's gone forever. I know when one is dead and when one lives. I know when one
cours de la soirée, le comte Joseph de Maistre, grand croix de l'ordre des Saint-Maurice et de Lazare, continue. Continua ses phrases les plus folles. Ainsi s'accomplit sans cesse la grande loi de la destruction des êtres vivants. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure. Où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche. Jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal. D'ici un mois, les brigades allaient devoir quitter avec ceux qui ont le plus de courage. Une fois de plus, nous comprîmes à quel point nous n'avions pu imaginer que la guerre finisse sans que nous remportions la victoire. La guerre est donc divine en elle-même. La guerre est donc divine en elle-même, parce que c'est une loi du monde. Qui pourrait douter que la mort trouvée dans les combats n'ait de grands privilèges? Et qui pourrait croire que les victimes de cet épouvantable jugement aient versé leur sang en vain? La guerre est donc divine dans la gloire mystérieuse qui l'environne. Et dans l'attrait non moins inexplicable qui nous y porte. En fin de soirée, encore ces mots du représentant de la diplomatie française à Saint-Pétersbourg. En fin de soirée, encore ces mots de la diplomatie française à Saint-Pétersbourg. Mais c'est précisément parce que la révolution... Ça ne fait rien, Jean-Crête. Et le comble c'est oublié. De l'absurdité et de la corruption. T'es pas vrai. Allez, je te souhaite bonne chance, vieux. Pour les peuples. Et Malraux dira plus simplement, transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout. Transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout. Foyer ! Foyer ! C'est moi seul ! Tout seul, vous entendez ? Je demanderai à la personne, mais je me trouve... Lucien Mirbeau, birthplace Lyon, France, occupation secretary. Compartment C, Herr Otto Franzen, birthplace Frankfurt, Germany, once a German industrialist, now a dealer in scrap iron. Compartment D, unoccupied, but being held for a person of importance. Compartment E, James Sterling of Liverpool, former occupation, soldier at Dunkirk, present occupation, school teacher. Lieutenant Maxim Kurashilov, birthplace Moscow, defender of Stalingrad, now military aide, Russian occupation authorities. Compartment F, Henri Perrault, Paris, once a member of the French underground, now a man of commerce. Compartment G, Hans Schmidt, birthplace Munich, occupation...
C'était environ 9 heures du matin. C'était à la fin novembre, par un temps de dégel. Le train de Varsovie filait à toute vapeur vers Pétersbourg. L'humidité et la brume étaient telles que le jour avait peine à percer. À 10 pas, à droite et à gauche de la voie, on distinguait mal les yeux, quoi que ce fût. Quand un siècle se dissout lentement dans le siècle suivant, quelques individus transforment les moyens de survie anciens en moyens nouveaux. Ce sont ces derniers que nous appelons art. La seule chose qui survive à une époque, c'est la forme d'art qu'elle s'est créée. Aucune activité ne deviendra un art avant que son époque ne soit terminée. Ensuite, cet art disparaîtra. Quelque chose qui est de l'ordre précis. Décidément, vous dormez. Invention. Oui. Il a. Oui, je dors. C'est très curieux. Enfin, madame, m'expliquerez-vous. Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C'est le rôle du dormeur. Elle était devenue terrible, la langue de Goethe. Quand on l'entendait dans la nuit, des petites gares. يوصفوها ديما بحاجه خالقه العاده اما هي ما تتحسش مره تصدمت في سياره الشرطه بعد تفرقيعه جريت طحت حسيت راسي تضرب مع القاعه ترهوشت ما خممتش في الموت الا انا بسلامة Vielleicht, weil man die Sache für sehr schwierig hält. Enfin, dites-moi pourquoi vous avez fait de l'espionnage. Je n'en sais rien. Vous avez accepté? D'entrer dans son organisation? Non, Michel. Mais même chez les communistes, l'argent compte plus que tout le reste.
exactement la même chose que les autres, ce que les autres lui ont appris. Quelque chose a pour surgi, qu'il y ait vraiment papa, des individus, chose il faut que la collectivité bouge. Lumière, et pour que la collectivité bouge, il fera exactement la même chose que les autres, ce que les autres. Ma va a New York, va bene. Non ci si arricchisce. Che importa questo? Si può star bene senza arricchire. Avresti fatto quel tuo dovere. Naturalmente. I tipi così sono sempre da fermare. Effettivamente. Non si sa mai. Ogni morto di fame è un uomo pericoloso. Come no? Capace di tutto. Di rubare. Questo va da sé. Sur le fond. Du vert luxuriant. De l'été. Et l'embrasement. Royal. De l'automne. Et la ruine de l'hiver. Avant que ne fleurisse. À nouveau. Le printemps. Sali maintenant. Un peu noirci. Par le temps. Jour serein. Non comme des sentinelles. Non. Comme s'ils défendaient de leurs énormes et monolithiques poids et masse, les vivants contre les morts, tous les ossements. Profilé sur le fond du vert luxuriant de l'été et l'embrasement royal de l'automne et la ruine de l'hiver avant que ne fleurisse à nouveau le printemps. Eux tous.
la situation de tous dans cette heure fatale et dans ce lieu avait comme résultante et comme sommet le drapeau. La mélancolie suprême d'Enjolras. Le drapeau va au paysage infâme et notre patois étouffe le tambour. Arthur Rimbaud, démocratie. Temps, après une révolution dans la révolution. Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des hommes. Je me croirais le plus heureux des mortels. 2. Je me croirais le plus heureux des mortels si je pouvais faire que les hommes puissent se guérir de leurs préjugés. J'appelle ici préjugés non pas ce qui fait qu'on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu'on ignore soi-même. Aïe. È arrivato Zampano! È arrivato Zampano! C'est qu'il n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin. C'est que l'Europe est solidaire. C'est que tout ce qui se fait en Europe est fait par l'Europe. C'est que, s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve. C'est qu'à l'heure qu'il est, tout près de nous, là, sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles, les petits garçons. C'est que les enfants trop petits pour être vendus, on les fend d'un coup de sabre. C'est qu'on brûle les familles dans les maisons. De sorte qu'aux vivants qui leur ont envoyé le carnage, les morts envoient la peste, ce qui est bien fait. Nous apprenons au gouvernement d'Europe ceci, c'est qu'on ouvre les femmes grosses pour leur tuer les enfants dans les entrailles. C'est qu'il y a dans les places publiques des tas de squelettes. Le sort de la France. Suivait celui de l'Amérique, comme dans les contes romantiques allemands, le chat qui éprouve à son tour les amours et les ambitions de son maître et les rend dérisoires. Pourquoi seriez-vous ? On dit 200 villages brûlés, il n'y en a que 99. Ce que vous appelez la peste n'est que le typhus. Toutes les femmes n'ont pas été violées, toutes les filles n'ont pas été vendues, quelques-unes ont échappé. On a châtré les prisonniers, mais on leur a aussi coupé la tête. Parce que la Palestine est parce... mis qu'à la pointe d'une baïonnette. Etc., etc. C'est en cherchant à instruire les hommes que l'on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de tous. L'homme que l'on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de tous. L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature, lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment, lorsqu'on la lui dérobe.
books. Yeah, in the last barrel. Books. That's law. Law. I knew that book was about something. Oh, you thumb mark on it, either. No, sir. We took mighty good care of it. Reckon you can read it, sir? I expect I can make head or tails out of it. I set my mind. قانون هنا في قانون واحد بس a retranché du nombre des vivants appartient au parquet. Le parquet si je dois être mené jusqu'en condamnation et qu'il ne m'a pas été vêtu, je requiers qu'on m'accorde la grâce d'avoir une chemise de femme et quelque chose sur la tête. La prison appartient au parquet. Il en est le maître absolu. Ils ont vite été relâchés dans la nature. Les Clanton et les McClory ont payé leur caution. C'est la loi. C'est la même pour eux que pour toi ou moi. Alors il y a quelque chose qui cloche dans la loi. C'est vous contre l'ordre, vous insurgez contre l'ordre. Non, contre les privilèges. Une seconde d'inattention. Devant nous de la République, la sensation l'étendard. Depuis quelque temps, se transforme en tourbillon des ténèbres. Les pauvres gens, ceux pour qui je vais combattre, je les préfère, mais uniquement parce qu'ils sont les vaincus.
signé cet ouvrage. Je suivais mon objet sans former de dessin. Je ne connaissais ni les règles, ni les exceptions. Je ne trouvais la vérité que pour la perdre. Vous êtes un drôle de pistolet. Ce n'est pas seulement... C'est ça que vous vouliez dire à la tribune? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je l'ai dit, mais je n'ai pas su me faire entendre. Préparant le fait accompli. C'est également une certaine interférence des événements qui embrouillent tout. Arrêtez ces mots! Politique, ça veut dire quoi, politique? Le dieu des prêtres est différent de l'être suprême. Le ressort du gouvernement populaire est la vertu. Le véritable prêtre de l'être suprême, c'est la nature. En temps de guerre, le ressort du gouvernement populaire est par nécessité la terreur, mais toujours la vertu. La joie d'un grand peuple rassemblé sous ses yeux pour resserrer les doux nœuds de la fraternité. Mais la terreur sur la vertu est funeste. Et pour lui présenter l'hommage des cœurs sensibles et purs. Les pauvres sauveront le monde. Ils ne demanderont rien en échange. Ils ne savent pas le prix du service rendu. Ils feront cette colossale affaire. Et... Où allez-vous ? C'est une brève histoire que celle de l'extinction en masse des espèces. En bref, le plus gros des dégradations environnementales d'aujourd'hui est le fait de deux groupes, le milliard le plus riche et le milliard le plus pauvre. Les plus riches détruisent l'environnement global par leur surconsommation rapide des ressources et leur production de déchets, tandis que les plus pauvres détruisent leurs ressources par nécessité et par absence de choix. Aimer ceux qui sont capables de faire cela. Être aimé d'eux, peut-être, qu'attendre le plus de l'amour. Quelle rage de leur demander encore des comptes. Mais lui aussi parlait lentement. Cet amour ne t'empêchait pas de coucher avec ce type. Alors que tu pensais si nous étions vivants. Mais nous sommes vivants. Vous m'interrogez avec quelque chose qui n'est pas vivant, vous, et qui cherche en moi quelque chose qui ne peut pas vivre.
Cela, c'est une souffrance. C'est l'angoisse. C'est l'attente. Lorsque le temps est toujours de trop, et que toutefois le temps manque au temps. Dans l'attente, le temps qui permet d'attendre se perd pour mieux répondre à l'attente. Et l'attente qui a lieu dans le temps ouvre le temps à l'absence de temps où il n'y a pas lieu d'attendre. Ni oui ni non, c'est une fille. Il y a les cinq doigts. On accomplirait l'acte rédempteur. La main. Et un long moment après, parce que les histoires que l'on raconte vont moins vite que les actions ne s'accomplissent. Je me sens toujours très bien, les mains dans les poches, même si je n'ai pas un sou. Je me suis toujours senti un fils de roi. Mais tous les Égyptiens se sentent un peu fils de roi. L'Orient est plus philosophe que l'Occident. Le moindre va-nu-pied vous dira des choses extraordinaires sur la vie, sur le monde. Et vous entendez chacun le philosophe, parce qu'il a le temps de réfléchir, de penser, de voir le monde passer en Occident. Arrêtez, oh le con ! Je ne sais pas qui vous êtes. Vous voyez bien, le christianisme, c'est le refus de se connaître, c'est la mort du langage. Tout à coup, elle aperçut à l'horizon, derrière Tunis, comme les brouillards légers qui se traînaient contre le sol. Puis ce fut un grand rideau de poudre grise, perpendiculairement étalé. Et dans les tourbillons de cette masse nombreuse, des têtes de dromadaires, des lances, des boucliers parurent. C'était l'armée des barbares qui s'avançait sur Carthage. Oh, Salammbô.
l'ombre de l'Occident. Il est certain que la représentation, plus particulièrement l'acte de représenter, est sans doute le relais, implique presque toujours. Implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation. Il y a un réel contraste entre la violence de l'acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même. Ils sont pris entre Saramelek et Charabia. Et les Arabes n'intéressent pas le monde. Les musulmans non plus. Si l'islam retient politiquement l'attention, le monde arabe est d'abord décor et paysage. Le monde arabe, s'il existe en tant que monde, n'est jamais regardé en tant que tel. Il est toujours examiné comme un ensemble relativement citoyen. Ces amants de la patrie, dans l'excès de leur passion, auraient voulu mourir pour elle. Ils allaient la tuer. Les défauts et les enjeux. Les Arabes peuvent-ils parler ? Gamila ! Gamila ! Les Arabes peuvent-ils parler ? À demi-voix, d'une voix douce et faible, disant de grandes choses, d'importantes, étonnantes, de profondes et justes choses. D'une voix douce et faible. La menace du tonnerre, la présence d'absolu dans une voix de rouge gorge, dans le détail fin d'une flûte et la délicatesse du son pur. Tout le soleil suggéré au moyen d'un demi-sourire. Demi-voix. Et d'une sorte de murmure, en français, infiniment pur. Qui n'eût saisi les mots, qui l'eût ouï à quelque distance, aurait cru qu'il disait des riens. Et c'était des riens pour l'oreille, rassurée. Mais ce contraste et cette musique, cette voix ridant l'air à peine, cette puissance chuchotée, ses perspectives, ses découvertes, ses avenirs et ses manières de vivre, ce sourire congédiant l'univers. لازم اشوف لازم اشوفك دانت غيب اربع سنين ماليش دعوه ما ماخدينك مني طول الليل حتى النت في المحطة قول لهم أي حاجة حتى الناس يا حبيبي يا خوابي ربما تحرق الشعر وكتبي وقفة النار ولم حل بربك يا عيسى عبرتك برهة ومضيت معذرة فوجهك لم يعد البر وكحلك صار اسمنتا وبارودا خشيت الموت لكن ابتسمت حملت جرح الجرح لحظة انفذت مشاعري الخام يا ويلي
عليك تحت الدوم. جررناه. Point est une discipline de la superposition des lignes mélodiques. Les mélodies n'ont pas besoin d'être identiques, non plus que parentes. Étrangères l'une à l'autre, elles ne font pas obstacle à la composition. Mais il faut les tenir toutes les deux ensemble et en même temps. Dans l'harmonie, les accords produisent les mélodies. Dans le contrepoint, ce sont des mélodies elles-mêmes dont, à l'inverse, résultent les accords. Très loin, très bas, l'océan de elle rampait vers les côtes invisibles de l'Ophir, si lente que, vue d'en haut, dans plein ciel, elle ne donnait qu'à peine l'impression de bouger. Elle glissait sur la mer avec l'indolente précision d'un dessin de Damas, tissant comme un grand réseau blanc sur une feuille de verre bleu, de place en place, dans cette transparence, la forme d'un poisson frémissait, puis s'éclipsait. Raie géante peut-être, ou requin sur la voie d'eau plus froide. Vers le nord, s'aplatissait un artichaut. S'aplatissait un archipel, un cortège de crocodiles. Et vers le jardin du sud. Vers le nord, les pirogues s'aplatissaient un archipel, sans doute, posés sur la plaque de verre comme des moustiques.
livre. Des religions du livre ont forgé nos sociétés et nous avons sacralisé les textes. Table de la loi, 10 commandements, rouleau de la Torah, Bible, Coran, etc. Il fallait ici, à Doha, vous êtes la capitale de l'émirat. Je suppose que toutes il les était inconcevable qu'un mouvement subversif se soit constitué, au moins par quelques rumeurs autres que des explosions. En effet, la grande puissance impérialiste qui étendait son emprise politique sur tous les États du Golfe ne s'intéressait plus à Doha. Depuis un gouvernement clair que son sous-sol ne renfermait pas de pétrole. Pour donner aux gens tout ce qu'ils veulent. C'est puissant pour leur prendre tout ce qu'ils ont. Oh, oh mes enfants! Les frondeurs irréductibles de l'ordre établi avaient depuis longtemps renoncé à toute action brutale, la considérant comme inadéquate dans cette oasis misérable, mais où régnait une paix souveraine. Car là où il n'y a rien, même les scélérats se résignent à l'indigence. On ne pouvait cependant oublier leur aptitude à se surpasser dans l'abjection lorsqu'ils sont soutenus et conseillés par des criminels d'une plus grande envergure venus de l'extérieur. Samantha était convaincue. Seule sauvegarde contre la pauvreté d'un pays était sa seule sauvegarde contre les rapaces qui n'attendaient qu'une promesse de profit pour venir le conquérir. Qui n'attendaient qu'une promesse le de profit pour venir le conquérir et le pourrir. Le détruire et le pourrir. Et Samantha remerciait le ciel d'être et Samantha remerciait le ciel d'être né sur cette terre de toute matière première. Et assez ingrate toute matière pour décourager le marché. Le plus stupéfiant dans cette affaire était que les attentats étaient revendiqués par une soi-disant force de libération du Golfe, totalement inconnue, et dans les tracts mal imprimés, se targuait d'un vocabulaire révolutionnaire depuis longtemps dépassé. Thank you.
ni l'importance du territoire de Dofa, ni la conjoncture politique dans la région. Si, en dehors de l'éclatante prospérité des Émirats voisins, pouvait d'un jour à l'autre devenir un enfer. Ceux qui tourmentaient le cheikh Ben Kadhem, le premier ministre du royaume, c'était une vue de l'esprit, car il rêvait de soumettre à sa domination l'ensemble des pays du Golfe. Il était vrai que sur cette... Il était vrai que sur cette bande de terre aride, il était le maître incontesté, puisque le vieil émir régnant, croupissant dans son harem, ne prenait plus la peine de lui donner des ordres. Et la passion pour le pouvoir, Ben Kadhem l'avait ressentie depuis son enfance. Et maintenant, à l'âge de 42 ans, elle le dévorait avec encore plus d'intensité. Mais malheureusement, le monde n'était pas aussi simple que son rêve d'enfant. L'irruption du pétrole dans toute la péninsule, sauf ici à Dofa, avait détruit l'espoir de réaliser ses ambitions. Chose étrange, le seul homme avec lequel Ben Kadhem pouvait parler franchement de son ambition, c'était celui-là même qui trouvait cette ambition dérisoire, son jeune cousin Samantha. Mais il est juste... pour objet d'approfondir sa vision sur le jeu sanglant des grandes puissances. Il était d'une importance capitale de savoir l'opinion de Samantha sur les derniers événements survenus. Le début d'une ère révolutionnaire à Dofa était une négation totale de la possibilité d'une action armée dans la péninsule. Tu es seul ? Oui, je suis seul. Je ne te dérange pas. Je suis toujours ravi de te voir. Un tel bonheur m'est rarement accordé, Excellence. Tu te détaches de moi. Je vois que tu n'es toujours pas prêt à ce sacrifice. C'est l'excuse de toute ambition politique que de prétendre se sacrifier pour le bonheur du peuple. Mais le peuple t'a rien demandé. Il veut simplement vivre en paix. Pendant que nous vivons en paix, le monde bouge. Que nous importe ce monde qui bouge. Ce sont tous des canailles, tous complices de l'imposture universelle. La révolution a commencé dans le royaume, mais tu le sais déjà sans doute.
Je le reconnaîtrais volontiers s'il s'agissait d'une vraie révolution, mais j'en doute. On a arrêté quelques types connus de nos services. Mais ils prétendent ne rien savoir. Ils demandent même de quelle bombe il s'agit, car ils n'ont rien entendu. Ici. Ici. À Dofa. À Dofa. Que des gens lancent des bombes un peu partout, cela me paraît normal. Que pourraient-ils faire d'autre? C'est la seule manière d'exprimer leur révolte. Devant la férocité des moyens employés par les gouvernements, quelle autre attitude serait valable? Pour ma part, je serai toujours du côté des bombes. La révolution. Cela ne me paraît pas vital dans cette région. Il est vrai qu'à notre époque, tout est possible. Crois-tu que les hommes... Crois-tu que les hommes au pouvoir, aujourd'hui, dans le monde, soient autre chose que des débiles sanguinaires? C'était peu de rêver d'être roi, quand on pouvait rêver d'être Faust. Mais nul ne rêvait plus d'être Faust. Et chacun rêvait d'être roi. À Dofa, le rêve de Cheikh Ben Kadem fit naufrage. La mort de son jeune amant dissipa l'ambition de soumettre à sa domination l'ensemble des pays du Golfe. Ben Kadem s'en vint alors confesser ses erreurs politiques à sa mentor. Et puis, il s'enfuit et se réfugia. Sa mentor, heureux et tranquillisé par ce dénouement, sortit de sa misérable cahute. Ce n'est que quelques mois plus tard que Samantha rencontra Tarek le long de la mer, prit la vérité de la fausse révolution fomentée par l'ancien premier ministre. Ce que je fais avec les enfants, dit le fou, c'est une sorte de contre-révolution. Un fou peut aller partout. J'ai une liberté totale de mouvement et de parole. Avec l'aide des enfants, j'ai fait sauter la banque et l'agence d'import-export, les deux signes de l'ignominie capitaliste. Mais comment as-tu pu te procurer les explosifs? Ils ont été repérés par les enfants dans un vieux derrick abandonné par les étrangers quand ils cherchaient en vain du pétrole. Je te remercie. Discuter avec un fou est un privilège inestimable. Crois-moi. Crois-moi. On n'est jamais suffisamment triste. Crois-moi. On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. La terre,
abandonnée. La terre, abandonnée, surchargée de lettres de l'alphabet, étouffée sous les connaissances, et plus guère d'oreilles qui soient à l'écoute. Voici des roses et c'est mi-close. Silenzio, si gira! Silenzio! Camera. Moteur. Motore. Partito. Odissea 14702 prima. Mais la langue ne sera jamais le langage. En réalité, il est brèche. Seul le fragment porte la marque de l'authenticité. Engels, à leurs yeux, Eugène Suet est un aveugle, un solitaire, plus intérieur, pour qui la vie pleine de vie n'était qu'une abstraction. Les productions qui correspondent que les représentations d'une civilisation tombée dans la dégradation d'un état où les droits civils n'étaient pas respectés. L'égalité régnait, condamnait la mort d'une critique. Mais, au contraire de Balzac, il ne faisait que satisfaire son effréné pour l'homme, s'humiliant lui-même. Qu'il n'utilisait le remords et l'expiation d'actes d'une brutalité inouïe que pour faire miroiter nos yeux une transformation de la réalité. Lorsque je me parle à moi-même, je parle la parole d'un autre, que je me parle à moi-même. D'un autre, que je me parle à moi-même. Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien nos espérances. Les espérances resteraient, l'utopie serait nécessaire. Plus tard aussi, les espérances s'embrasseraient de nombreuses fois, étouffées par l'ennemi plus fort. Elles se réveilleraient sans cesse, et le domaine des espérances serait plus vaste que de notre temps. Il s'étendrait sur tous les continents. Le besoin de contradictions, de résistance ne diminuera jamais. Il s'étendrait même que le passé était immuable. Le besoin de mettre les espérances resterait immuable. Et ceux qui un jour, alors que nous étions jeunes, avaient nourri nos ardents espoirs, et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien nos espérances.